sur ces images d'un employé de l'hypermarché, l'évacuation du personnel hier en fin d'après-midi par les pompiers de Chalais. Directeurs et salariés ont pu mettre hors d'eau certains produits alors que l'inondation grignotait du terrain à l'intérieur du magasin. On s'est retrouvé submergé vers le coup de 15h30, où on avait pas mal d'eau déjà dans le magasin, on va dire entre 5 et 10 cm. On a pu retirer au maximum de produits. On a isolé aussi les produits sensibles qu'on a pu mettre de côté. Les dégâts ne sont pas encore chiffrés. Les dirigeants attendent une expertise. En face, dans ce magasin de bricolage, les responsables devraient recevoir les experts très prochainement. Ils estiment que les dégâts seront compris entre 20 000 et 100 000 euros. Mais les dégâts sont importants, beaucoup de nettoyage, un peu de marchandises. On a pu en sauver une partie hier, mais il en reste, il y a une partie qui a pris l'eau. Donc il y a du rangement et du nettoyage, beaucoup de nettoyage. Dans une autre commune du sud de la Charente, à Torsac, c'est le cimetière qui a subi une forte inondation. La décrue est amorcée, mais l'eau a recouvert jusqu'à la moitié de sa surface. Une situation inédite depuis 90 ans, selon cet habitant. Tous les ans, il y avait de l'eau dans les prés, là. Nous, on sortait, moi, j'étais à l'école ici. Je sortais de l'école, on allait glisser dessus la glace, là-bas. Voilà. Mais là, dans ce pré-là, il n'y avait pas beaucoup. Mais là, c'est la première fois que je vois tant d'eau ici. Dans cette commune, c'est la Charroux, une toute petite rivière qui est sortie de son lit, recouvrant des champs, des routes ou un petit pont, comme ici. Pour l'instant, on est impuissant. Donc après, est-ce qu'il ne faut pas envisager peut-être trouver une solution pour éviter que ça se reproduise, surtout à ce niveau-là, quoi, parce que c'est toutes les tombes qui étaient inondées. À Angoulême, l'eau se rapproche et recouvre déjà les berges de la Charente. Dans la commune voisine de Gonpontouvre, une route est coupée à la circulation. Les riverains s'attendent à une montée des eaux. Certains sous-sols sont déjà inondés.